Allez, bonjour à tous, c'est Matt du 29. On se retrouve sur Farming Simulator 23 pour la suite. Les champs sont pas prêts, on est en juillet, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller vendre ce qui est avant le mois de juillet, c'est-à-dire normalement, alors le maïs non, soja on n'en a pas. Allez, on va dire le sucre. Donc ce qu'on va faire, on va déjà commencer par vider l'usine. Donc ça veut dire qu'on va aller avec le plateau là-bas. On va aller charger les palettes de sucre qui sortiront. Et une fois qu'on aura fini de vider l'usine, on videra le stockage. Après, j'aurais pu laisser en fait. Alors, ici, c'est production. Vêtements, c'est presque full. Le pain, ça va, c'est pas dans le rouge. C'est bon. Bon, la farine, c'est fou là. Non, mais tant que c'est pas. Tant qu'ils me disent pas que c'est plein, je vais pas vider. Ou alors on arrête la farine. Le colza, il en reste plus beaucoup. Alors ici, on va déjà sortir les 12 000 litres. Hop. On va les charger. Il doit rester deux, normalement deux qu'on peut mettre dessus. À moins qu'il n'y ait plus. Ben, il n'y a plus rien en fait, surtout. donc, ça c'est bon. Je suis même pas sûr qu'on puisse mettre encore deux. Dans le doute, on va les vider. Alors, le prix du sucre. Le sucre, il se vend le plus cher, mais où? Le sucre, il faut aller. Alors, attendez. Boulangerie. Ma boulangerie, produit laitier, on l'a pas. Bon, sinon, on voit le produit laitier. Hein. Parce que produit à la boulangerie c'est full. Donc c'est soit on va au produit laitier. Mais le produit laitier c'est plus cher que. C'est plus cher qu'à la. Qu'au supermarché. Et vu qu'on n'a pas la laiterie pour l'instant, je pense qu'on va aller le mettre là-bas. Comme ça on sera tranquille. Donc déjà on va vider ce qu'on a là. Et après on va charger ce qu'on a, les 66 palettes qu'on a au stockage. Comme ça on va pouvoir reproduire du sucre jusqu'à l'année prochaine. Alors normalement les produits laitiers. Là-bas, bah, juste là, ouais. Donc, bon, ça va être derrière, je pense. Ouais, c'est là.
Voilà, 4000 à chaque fois. Non. Hop, ça c'est fait. Et ben, on va aller charger ce qu'on a à la ferme. Après, une fois que ça c'est fait, le soja on n'en a pas, le maïs non plus. On verra les productions qui en ont besoin de remplir, vider. On surveillera les animaux aussi, les poules et les moutons. À la limite, s'il y a de la laine, on la mettra en haut, à la filature. Et puis voilà. Alors, avant d'aller se coller là-bas, on va sortir le maximum de sucre qu'on peut sortir. Le sucre, c'est 25 palettes à chaque fois. Et ben on démarre. Hop. Hop. Donc on va changer tout ça. Là, il aura le droit à un coup de nettoyage après aussi. Allez, hop. Donc on va... Hop. On repart au produit laitier. On dépose tout ça. Et après, on prendra un tracteur pour faire l'alimentation et peut-être récupérer. Ou alors, après ça, je récupère la. Le peu de laine qu'il y a aux moutons pour les envoyer à l'usine de vêtements, ben de tissus surtout. Hop. Allez. Hop. Voilà. 12 000 quand même. Hein. C'est bien de laisser approcher la remorque. Ouais. Allez, on récupère encore celles qui sont là-bas. Normalement, il y en a assez pour mettre pour charger encore à fond. Il nous restera une normalement parce qu'on en sort 25. À chaque fois, on en sort 25. Et dessus, on peut mettre que 12. Ah, les golis.
Oui, non. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a la forge devant. Bon, on va aller comme ça. Et prochaine fois que je reviens, voilà. Le coup de lag. Attends. Intéressant. Pas un truc pour lever normalement. Ouais. Et après, ce que je ferai, c'est que je récupérerai pareil. On ressortira 25. Oh. D'accord, ça redescend dès que t'accroches l'arrière. Bon. Et va t'en remplir. Combien la palette? 1000, 1500. Donc pareil, on retourne à la ferme et on en ressort 25 aussi. Et comme tous les samedis, normalement, il y a live sur Farming Simulator 22 sur la Coronella sur Twitch à partir de 20h30 jusqu'à 22h à peu près tous les samedis s'il n'y a pas de soucis, si j'ai pas de contradiction, s'il n'y a pas de soucis. Voilà. Alors, on ressort d'autres palettes. Tac tac tac, palette de sucre, il en reste 42, on en ressort 25. Je pense qu'il y en a 24 surtout. Ça
C'est pas ça que je voulais. Allez, une petite sauvegarde, tiens. Non, c'est ça et ça. C'est pas tout de suite qu'on avancera sur les achats et tout ça. Ça, faudra voir ça après. Ça. Hop, c'est là. Et tout d'un coup, allez, 18 000. On charge les restes. Et après, je vais en mouton chercher les quelques palettes de laine aussi qu'on ira envoyer à la filature en haut. Les œufs, normalement, il n'y a pas assez pour aller mettre là où il faut. Hop, ça c'est bon. Allez. Ça c'est un arbre. Allez, c'est parti. Il nous reste encore à charger pas mal, hein, parce qu'on n'aura pas 25 sur le dernier. Donc ça, on repartira de comme il faut. D'ailleurs, si je regarde les. Parce que ce serait bien de regarder quand même les. La fluctuation des prix là. Non. Fluctuation des prix. Ouais, ça c'est juillet. Il y a un peu en septembre aussi. En août, il n'y a rien. Je pense que j'aurais pu attendre peut-être en septembre.
Allez. Tac, tout en même temps. Voilà. 18 000. Sachant que sur la dernière remorque, il en sera moins. Mais on vide tout quand même. Comme ça, on est tranquille. Et on peut reprendre la production de sucre. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on passera le temps aussi. Et normalement, mois prochain. Donc il n'y a pas de saison sur celui-là, mais mois prochain, normalement, on a toutes les cultures à faire, à récolter. Hop. Allez. Ah si, il reste 18 de sucre, et ben on va tous les sortir. Voilà. Voilà, donc ça déjà c'est une première remarque. Et après il y aura un deuxième passage. Allez. Ouais. On passe là-dedans. Et tac. Ah, les deux qui sont pas passés. Voilà. Allez. Dernière remorque avec ça, avec le sucre. Et après, je reviens au niveau des moutons. Je passe au niveau des moutons, je récupère la laine et je l'amène à la filature. Comme ça, on va peut-être pouvoir lancer la production de tissu. Avec la laine. Voilà. Et les 6 dernières.
qu'on sera bon. Et vu qu'on sera à côté des moutons. Ça c'était pas visible. Hop. Allez. Je dépose les 6 dernières. Et après je me récupère. Et les palettes qu'il y aura en laine au niveau des moutons. Je sais pas combien il y en aura. Il y a un maximum, je crois que c'est 4. Donc. Allez. Hop. Voilà. Les dernières. Bon, maintenant. On file le mouton. Regarde qu'est-ce qu'il y a en palette de laine, on récupère le maximum de choses et on envoie tout ça à la filature. Et je pense qu'on va s'arrêter là après. Même celle qui est pas pleine. Bon, il y en a 3. Il y en a 2 pleines plus une commencée. On récupère les 3. Donc on va jusqu'à la filature, donc c'est en haut. Je pense que après on peut rentrer à la maison et puis rentrer à la ferme et puis c'est tout. Et je regarderai un peu le. Je vais peut-être aller chercher la mélangeuse pour la mélangeuse des moutons pour aller remettre de l'herbe dedans. Allez. Hop. Passer par là. On va passer par le magasin, mais pour y accéder, je crois qu'on peut y accéder par le magasin. Donc. Allez. Hop, j'envoie ça, je retourne à la ferme. Alors le dépôt aussi derrière. Voilà. D'ailleurs ça fait combien pour la laine? Ah ah ah. Et bah les vêtements il faut vider, il n'y a plus d'espace.
La laine. Mais 8000, c'est pas assez. Par contre, d'événements, il faut que j'en sorte. Donc, les vêtements. Si je dis pas de bêtises, l'événement c'est tout en haut. Bah, tant qu'à y être, hein, on va les prendre. C'est ça. Donc, on récupère les vêtements qui sont sortis. Semaine prochaine, bah, je vais me mettre là-bas. Et semaine prochaine, on descend les vêtements en stockage. Et on se passe le temps jusqu'au mois d'août. Avec normalement en prévision des récoltes, toutes les récoltes à faire. Comme ça. Récolte plus repréparation des champs, le pressage de la paille et tout ça. Sauf que la paille, je pense même pas que je la ferai. Ou alors je la laisse sur le champ et puis à voir. Parce que là, la paille, j'ai ce qu'il faut. Donc, ça sert à rien d'en produire. Voilà. Bon, on va arrêter là. Ah, bien sûr. Toi, tu rentres dedans avec ça. Sachant que tu viens, tu pourras même pas sortir. Bon. Et ben on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc semaine prochaine, je ramène celui-ci là où il faut. Je ramène celui-ci à la ferme. On vide les palettes de laine, non, de vêtements en bas à la ferme. Par contre, il faut que je fasse un truc, c'est que tant que j'y pense, palette de sucre, il n'y en a plus. Et puis voilà. Donc on arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de vidéos. Tous les jours à partir de 10h sur YouTube. Donc vidéo tous les jours à 10h. Du lundi au vendredi. Sinon, le week-end, le samedi soir de 20h30 à 22h sur YouTube, sur Twitch, en live sur la Coronella. Le dimanche après-midi de 14h30 à 16h. Sur Construction Simulator. Et puis bien sûr, le live du mardi soir de 20h30 à 22h sur Supermarket. On se dit à la prochaine. Ciao ciao!